Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nabilaï Camara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Voilà, le combat pour notre processus de démocratisation qui, en fait, continue, c'est vrai. Alors, comme je l'ai toujours dit, en fait, c'est le moment à jamais. Le moment, effectivement, à se battre pour ce processus, donc entamé depuis 2000, en fait, 1984 avec l'ancien Conté. Ce processus entamé, je dis bien, depuis 1984 avec l'ancien Conté, alors nous ne pouvons pas accepter que ce processus donc soit stoppé. On ne doit pas accepter parce que c'est avec ce processus-là démocratique que nous pouvons en fait développer la Guinée. Non seulement développer la Guinée, mais unir les Guinéens. Je vais toujours répéter ça tout de suite dans mon direct. Seule la démocratie est capable de gérer en fait une société multiculturelle. N'est-ce pas? Une société, je dirais, beaucoup polarisée ethniquement, seule la démocratie. Alors, c'est inacceptable, chers compatriotes guinéens, choquons-nous, n'acceptons pas que des vauriens, des barbares, des illettrés arrivent au pouvoir pour stopper, vous comprenez, ce processus démocratique historique, chers compatriotes guinéens, n'est-ce pas? Très bien. Alors, j'ai mon thème d'information pour cet après-midi, effectivement. Alors, voilà, il est question, effectivement, je dis, la grosse erreur politique impardonnable de la junte militaire dirigée par Mamadi Doumbouya. Oui, c'est une grosse erreur, je vous le dis, je vais vous le dire tout à l'heure, ici, dans ce direct. Je dis bien, impardonnable, ça veut dire que c'est trop tard, il ne peut plus se rattraper, c'est trop tard, parce que ça a déjà défini leur caractère, ça définit leur attitude nauséabonde, ça définit leur... En fait, caractère inhumain. Cette faute, je dirais, cette erreur impardonnable. Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors, je commence cette analyse, chers compatriotes guinéens. Alors, voilà, comme vous devez le savoir, il faut parler effectivement de l'actualité, n'est-ce pas? Nous avons les membres donc du FNDC qui sont arrêtés. Alors, voilà, le pouvoir dit qu'il ne... Il ne sait pas où il se trouve, mais nous, nous savons très clairement, là, il n'y a pas de discussion. Franchement, nous savons tous que, alors, ils sont, en fait, retenus par la junte militaire, n'est-ce pas, quelque part, à Conakry. Ça, il n'y a pas de doute, c'est très clair. Alors, j'expliquais hier pourquoi il faut arrêter ces gens, mais c'est clair, il faut casser un mouvement qui se prépare, effectivement, pour, en fait, contre Karim Henri Doumbouya, si jamais il ne respecte pas son engagement, engagement pris, vous vous rappelez, donc, 3 années, c'est-à-dire qu'à la fin de cette année, il doit dégager. Donc, il y a ce grand mouvement qui se prépare. Alors, si maintenant, nous avons des leaders, donc, de ce mouvement, 2 leaders importantissimes de ce mouvement sont arrêtés. Il est question de Fonikye Mangue et Omar Sylla, qui est le coordinateur national du FNDC. Ensuite, Mamadou Bilo, qui est chargé, donc, de la mobilisation du FNDC. Si ces individus sont arrêtés, écoutez, s'il vous plaît, aimons la logique, aimons le rationnel. Et ils sont arrêtés, c'est pour casser ce mouvement, c'est clair. N'est-ce pas? Alors, je disais aussi, non, c'est impossible. Mamadou Doumbouya n'a pas encore porté ce pantalon, n'est-ce pas? S'il doit exécuter ces individus-là. Non, il n'est pas fou. Nous disons tous qu'il est fou. Il est barbare, mais sa folie n'est pas encore arrivée à ce point. N'est-ce pas? En mettant fin, disons, à la vie de ces gens. Non, ça, c'est écartons ça, chers compatriotes guinéens. Bien sûr, nous devons nous inquiéter, c'est vrai. Nous inquiéter parce que, bon, ils seront torturés, c'est vrai. Ça, c'est clair. Mais pas autant. Nous devons plutôt, parce que nous sommes pour le processus démocratique, c'est vrai, alors je disais, toujours il y aura le haut et le bas, beaucoup de choses vont se passer, on a pas mal de gens qui ont été tués depuis que cela a commencé le processus, c'est vrai, alors nous ne souhaitons pas les morts, vous comprenez, ben voilà, nous continuons le combat, vous comprenez, nous devons nous mobiliser, faire en sorte que, comme si en fait ces deux n'étaient pas arrêtés, n'est-ce pas? Nous mobiliser, chers compatriotes, en Guinée comme ailleurs, la mobilisation doit être en fait à un niveau, en fait, je dirais, sans précédent. Pourquoi? Parce que nous avons raison. La vérité de notre côté, mais c'est vrai, je vais vous dire tout à l'heure pourquoi la vérité de notre côté. Et c'est effectivement en parlant de cette grosse erreur politique de leur part. N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Très bien. Alors, je dis bien la mobilisation partout, c'est vrai. Alors, quand je parle de la mobilisation,
c'est non seulement en Guinée, n'est-ce pas, le plus important d'abord que, en fait, que nous ayons cette conclusion dans la tête, je veux dire à tout moment, il faut que nous soyons convaincus d'abord que effectivement nous avons des vauriens au pouvoir, nous avons des gens qui n'aiment pas la Guinée au pouvoir. Il faut d'abord que nous soyons convaincus. Une fois qu'il y a cette conviction, on peut combattre. Mais tant qu'on n'est pas convaincu, on ne peut pas combattre, n'est-ce pas? Et surtout rester insensible. Il y a beaucoup de propagande, n'est-ce pas? Alors, l'argent sûrement circule par-ci, par-là pour finalement acheter des consciences. Restons insensibles, chers compatriotes guinéens. Aimons notre Guinée. Si nous aimons notre Guinée, nous refusons l'argent qu'il nous donne. Nous refusons les postes qu'il nous donne. N'est-ce pas? Si nous aimons notre Guinée, nous voulons vraiment développer la Guinée. Parce que si la Guinée bouge, la Guinée, la stabilité, ça, donc le bénéfice, c'est pour nous tous, tout le monde. Pour nous et surtout pour les futures générations. S'il vous plaît, aimons la Guinée, essayons de comprendre cela, soyons convaincus que ces gens-là ne valent absolument rien. Mamadou Doumbouya et tout son groupe. N'est-ce pas? Très bien. Alors, je parlais également de l'erreur politique. N'est-ce pas? Alors, je parle de leur politique de la part de la junte militaire. Vous vous rappelez que Mamadou Doumbouya, il avait dit au départ que bon, il s'est engagé à respecter scrupuleusement, il a dit solennellement, de respecter en fait, ses engagements. N'est-ce pas? Engagement, c'est-à-dire, bon, même il n'y a pas longtemps, il a dit devant en fait, je dirais, une assemblée, n'est-ce pas, respectueuse des Guinéens comme de l'extérieur, en disant, bon, voilà. Il est là jusqu'à la fin de cette année. N'est-ce pas? Il va quitter. Lui, il va quitter. Il l'a dit très clairement, cher compatriote guinéen. Vous savez, c'est un engagement important. Très bien. Alors, depuis, voilà, nous remarquons, nous constatons effectivement que ce n'est pas le cas. Mamadou Doumbouya n'est pas sur la voie de respecter effectivement son engagement. Non. Loin, loin s'en faut. Ça, c'est clair et net. Vous voyez, il n'est pas prêt. Rien. D'abord, aucun acte n'est posé allant dans ce sens concernant le retour à l'ordre constitutionnel. Rien. Absolument rien. N'est-ce pas? Et très bien. Et commence la grosse erreur politique. Alors, malgré tout cela, c'est-à-dire nous nous sommes convaincus finalement que, bon voilà, ils ne vont jamais respecter. Ils veulent un glissement du calendrier, c'est clair. Alors, la grosse politique, ça commence, cher compatriote guinéen. Alors, on entend par-ci, par-là, de la part des personnalités d'ailleurs, des grandes personnalités du pouvoir, de la junte militaire, du gouvernement de la junte militaire, on entend par exemple le Premier ministre Baouri qui le dit, et d'ailleurs à l'extérieur, c'était pendant une interview, qui parle, qui dit, bon écoutez, répondant aux questions des journalistes sur le calendrier effectivement de la transition, le retour à l'ordre constitutionnel, Baouri disait, bon écoutez, alors, je ne pense pas que cela soit possible, en fait, des élections cette année, ou bien que la fin de la transition cette année. Je pense que non, parce qu'il y a des éléments sur le terrain. Beaucoup de choses se sont passées. Alors, voilà, ça conditionne, ça détermine certaines situations. Donc, voilà, il dit, je pense que non. Vous comprenez? Alors, on a un Premier ministre qui parle, c'est-à-dire il donne son opinion sur un sujet super important, importantissime. Il blague, lui donne son opinion sur un sujet super important, un sujet pour lequel pas mal de gens ont été tués. Il donne son opinion, s'il vous plaît. N'est-ce pas? On est à quelques mois de la fin, en fait, du délai. Le délai, en fait, donné par la junte militaire. Vous voyez Baouri, alors voilà, il pense que non, je ne pense pas que cela soit possible, et il va jusqu'à dire ce qui est quand même possible, il y aura quand même un référendum à propos, disons, de la Constitution. Vous voyez ça? Voilà, ça c'est Baouri, il donne son opinion, s'il vous plaît. Il donne une opinion. Opinion, c'est-à-dire sur le glissement, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas capables, disons, de respecter ce qui a été dit. Donc, il faut un glissement de là, en fait, du calendrier. Il donne son opinion, s'il vous plaît. Excusez-moi. Il donne son opinion.
Très bien. Et on entend de l'autre côté, c'est Ousmane Gawal Diallo qui parle. Lui aussi, c'est un ministre. Toujours sur le même sujet, qui, en fait, lui dit, bon, écoutez, parlant du respect du calendrier de la transition, Ousmane Gawal Diallo, il est clair, il n'y a pas longtemps, lui dit, bon, écoutez, c'est comme si c'était, en fait, ce qu'il disait, c'était un principe démocratique, hein, vous comprenez, qui est là, constant. C'est comme si, voilà. Alors, il dit carrément, bon, écoutez, c'est comme pour dire, mais qui vous a dit que, disons, la transition, qui vous a dit que la transition, sans fonction, excusez-moi, je ne sais pas si vous me suivez, vous m'entendez, je crois. Oui, je crois, oui, voilà. Alors, il dit, bon, écoutez, qui vous a dit, comme pour vous dire, qui vous a dit que la transition, c'est en fonction, c'est fait, il y a un délai pour une transition. Non, il dit non, la transition, c'est en fonction des actes posés sur le terrain. N'est-ce pas? C'est en fonction des actes posés sur le terrain. Très bien. Alors là aussi, on peut tout simplement dire, parce que ce qu'il dit, c'est faux, Ousmane Gawal Diallo, c'est faux, je ne sais pas où il a tiré cette théorie, ce n'est pas vrai. Une transition, il y a toujours un délai pour une transition. N'est-ce pas? Il y a un délai. N'est-ce pas? De toute façon, vous ne pouvez pas dire, bon, nous nous engageons pour respecter tel délai jusqu'à tel moment, et puis, voilà, vous ne faites absolument rien. N'est-ce pas? Pourquoi ils ont dit jusqu'à la fin de cette année? N'est-ce pas? Ils ont daté la situation. N'est-ce pas? Pourquoi ils l'ont daté? N'est-ce pas? Parce que la transition, c'est en fonction, effectivement, du temps. Toute transition doit être définie dans le temps, précisée dans le temps. Ça, c'est clair. Un temps raisonnable, c'est clair. Alors, là aussi, Ousmane Gawal Diallo, il donne son opinion. C'est une opinion, parce que la théorie est fausse. Vous voyez ça? Alors, on a aussi, sur un sujet, Ousmane Gawal Diallo se prononce sur un sujet super important, un sujet pour lequel beaucoup de Guinéens ont été tués. Ils continuent à souffrir. On a Tounike Mangue et Mamadou Bilo, c'est membre du FNDC, qui sont maintenant, en fait, retenus quelque part, donc subissant des tortures. N'est-ce pas? Alors, il y a un autre ministre qui a parlé, je ne me rappelle pas son nom, mais qui a dit, il est ministre aussi, il a dit, mais lui d'ailleurs, en fait, il demande le pardon, il dit, s'il vous plaît, acceptez le glissement de la transition pour que Mamadou Doumbouya puisse finalement, en fait, faire ce qu'il faut. Lui, c'est-à-dire, c'est une demande, en fait. Vous voyez ça? Là aussi, c'est une opinion. N'est-ce pas? C'est une opinion sur des sujets super importants. Vous comprenez, cher compteur guinéen? Je dis bien, sujet très important, retenez ce point, sujet très important, s'il vous plaît. Il est question de la transition, il est question de la fin de la transition, il est question d'une transition qui devait rationaliser les institutions de la République. Ils n'ont absolument rien fait, aucun acte posé. Ils ont parlé des 10 points du chronogramme, rien n'a été fait. N'est-ce pas? Et maintenant, on va finalement atteindre ce délai, le délai va arriver, il donne des opinions. Vous savez où se trouve la grosse erreur de la junte militaire? C'est l'incapacité, effectivement, à agir officiellement. Au lieu de donner des opinions, Baoul donne des opinions, Ousmane Gawal Diallo donne opinions, des ministres donnent opinions, même Mamadou Doumbouya donne des opinions. C'est une grosse erreur, s'il vous plaît. Vous savez pourquoi cette grosse erreur? C'est la grosse peur. Ils ont peur. Ils ne sont pas sérieux. Ils sont des malhonnêtes. Dis donc, même si vous devez mentir, un voleur, il faut savoir voler. Un menteur, il faut savoir mentir. C'est qu'ils sont des menteurs, ils ne savent même pas mentir. Sinon, la grosse erreur, je dis bien, c'est une grosse erreur politique, c'est-à-dire, il faut être sûr de soi. Nous savons tous que vous mentez. Nous savons tous que vous êtes des malhonnêtes. Et même vous-même, vous le savez que vous êtes malhonnête. Vous le savez vous-même. Alors, mais allez-y. N'est-ce pas? Faites un décret disant que, bon, écoutez, la transition ne peut pas finir cette année. Cette année, il n'y aura pas des élections. Voilà, nous repoussons un décret. Donc, dit cette fois-ci officiellement et non des opinions. Ils sont incapables de le faire parce qu'ils ont peur. Et ça prouve qu'ils sont des malhonnêtes. C'est une erreur politique impardonnable. Je dis bien, le sujet est très important. Comme c'est très important, alors ils veulent repousser, ils veulent un glissement. Alors, mais qu'ils fassent un décret. Ou que pendant un conseil des ministres, que la décision soit prise. Bon, voilà, à cause de telle ou telle situation, nous ne pouvons pas mettre fin à la transition cette année. Ou nous ne pouvons pas organiser des élections. Ils ne peuvent pas le faire. Ils sont des malhonnêtes.
des lâches. Ils ne sont pas capables de prendre ces décisions, s'il vous plaît. Savez, ils ne peuvent pas. Parce que, tout simplement, ils ont peur. Ça, ils ont peur parce que, tout simplement, ils savent qu'ils n'ont pas raison. Ils savent que 3 années étaient suffisantes, très suffisantes, pour, en fait, satisfaire à 100% les 10 points du chronogramme, disons, de la transition. Ils le savent très bien. Ils n'ont absolument rien fait. Maintenant, ils ont peur de dire, bon, écoutez, on va faire un décret ou pendant un conseil des ministres, on va dire ceci, que solennellement, que maintenant ça crie ou ça crie par-ci, par-là, de toute façon, que nous fassions, en fait, un décret à propos. Ils ne peuvent pas le faire. Ils donnent des opinions. Le Premier ministre donne des opinions, les ministres donnent des opinions par-ci, par-là, sur un sujet capital, s'il vous plaît. Vous comprenez? De la grosse erreur politique. Ils ne peuvent pas le faire. Moi, je préfère cela. Vous voyez au Mali. Vous voyez au Mali avec le président malien, un autre, je dirais, qui se trompe là. Mais quand même, vous voyez, il a dit, bon, ils ont fait un décret tout de suite. Bon, voilà, la transition, je crois encore 5 années. Voilà, il le dit. Que ça crie ou ça manifeste par-ci, ils ont pris une décision. Ils n'ont pas raison, ces gens-là. Absolument rien. Je sais qu'il va mal finir, même au Mali. Il va mal finir aussi. Mais quand même, ils ont ce courage de dire, bon, écoutez, non, nous sommes là encore 5 années. Nous n'est pas capable de le faire. Ils ne peuvent pas le faire. Juste l'année dernière, il le disait, à la fin de cette année, voilà, nous quittons. Il l'a dit. Ils sont maintenant incapables, s'il vous plaît, de rendre officiel le glissement de la transition. Ils ne peuvent pas, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas raison. Très bien, cher Comte Guinness, sur ce point, je pense que vous m'avez compris, c'est une grosse erreur politique impardonnable. Je dis impardonnable, voilà, c'est trop tard pour eux, parce que ça déjà prouve qu'ils sont malhonnêtes. N'est-ce pas? Ils sont des malhonnêtes, des vagabonds au pouvoir. N'est-ce pas? Alors, je dis impardonnable, nous ne pouvons pas pardonner, et voilà pourquoi, cher Comte Guinness, nous nous mobilisons à 100%. Nous nous mobilisons. Nous ne devons jamais accepter, civil comme militaire, il y a maintenant beaucoup de divergences, n'est-ce pas, dans l'armée. Continuez, cher Comte Guinéen, vous aurez de la force, vous aurez de la force, et aura effectivement, c'est très clair et net, des démissions dans l'armée. Ça, c'est clair, et ça, ça confortera notre position. On a entendu Baouri aussi, à tous à l'extérieur, parler, disons, du référendum, n'est-ce pas? Il y a la place, donc, des élections. Il y aura de façon un référendum. Vous voyez ça aussi. Là, c'est une opinion qu'il donne. Il n'est pas sûr. Et c'est un sujet super important, s'il vous plaît. Il n'est pas sûr. Il parle de référendum. On parle de référendum. On ne sait même pas la Constitution. La Constitution, qui sait? On ne sait rien de la Constitution. À quelques mois seulement, s'il vous plaît. N'est-ce pas, cher Comte Guinéen? Alors, vous l'avez compris, nous avons affaire, donc, aux Vauriens, aux gens qui ne vont jamais, je dis bien jamais, satisfaire les Guinéens. Ils sont là uniquement, Mamadou Doumbouya, pour satisfaire ses désirs personnels. Et là, il est prêt à faire tout, à mélanger les ethnies, etc. etc. Baouri, Ousmane Gawal Diallo sont dans le gouvernement, c'est pour pouvoir maîtriser, en fait, le Fouta. Parce que, je le dis, la géopolitique, c'est très clair. Maîtriser le Fouta, c'est ça. Maîtriser l'UFDG, ils sont là pour ça, ils jouent ce rôle-là. Mamadou Doumbouya est prêt à faire tout pour ça, pour pouvoir se maintenir au pouvoir, cher Comte Guinéen. Pour terminer, je dois toujours répéter ce point dans tous mes directs, n'est-ce pas, concernant la démocratie. Et là, si Saranda Rabah m'écoute, Saranda Rabah qui est, je crois, une conseillère de Mamadou Doumbouya, elle est dans les coulisses là-bas de Mamadou Doumbouya, qui donne des mauvaises idées à Mamadou Doumbouya. Parce que Mamadou Doumbouya, nous savons que le monsieur ne sait absolument rien, n'est-ce pas? Alors, je ne dis pas que Saranda Rabah connaît quelque chose. Non, c'est Saranda Rabah, écoutez, je ne sais pas comment je peux qualifier les gens, une intellectuelle qui ne sait pas réfléchir. Alors, elle n'est pas intellectuelle, Saranda Rabah, n'est-ce pas? Alors, ça, une intellectuelle qui dit qu'au temps de Sékou Touré, c'est beaucoup, beaucoup mieux que maintenant. Alors, que la politique au temps de Sékou Touré est beaucoup mieux que la démocratie. Alors, c'est une force intellectuelle. N'est-ce pas? D'abord, c'est une ethnocentriste. Les gens qui veulent le pouvoir malinqué, les gens qui veulent la haute Guinée, autant de fois, donc en Guinée au pouvoir. C'est clair et net. Vous n'aimez pas entendre, mais c'est ça la vérité, cher Comte Guinéen. Très bien. Alors, moi, je me dis que Saranda Rabah se trompe quand elle dit que, bon, écoutez, autant de Sékou Touré, alors la politique, voilà, les Guinéens étaient unis. Que les Guinéens étaient unis, s'il vous plaît. C'est un mensonge. Les Guinéens n'étaient pas unis. N'est-ce pas? On avait peur. Les Guinéens avaient peur. Combien de gens étaient en prison?
N'est-ce pas? Combien de gens vous donnent une opinion politique contraire à celle donc du pouvoir révolutionnaire, mais vous êtes en prison, vous êtes comme Barreau, vous êtes tué. Comment les Guinéens étaient réunis? Et comment les Guinéens étaient réunis si on a, par exemple, en Moyenne-Guinée, ils étaient persécutés. Les gens étaient persécutés. N'est-ce pas? La Guinée était unie, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On avait un petit groupe au pouvoir qui profitait, qui avait tout le privilège. Vous voyez, il se rendra pas en disant, bon écoutez, il y avait des fabriques à gauche, à droite, il y avait des compagnies aériennes et tout ça. Mais disons, nous savons tous que les compagnies aériennes, c'était par exemple des dons par-ci, par-là, n'est-ce pas? Parler du peuple, mais c'était des dons des Chinois. Tout était des dons, s'il vous plaît. Tout des dons, avec tant de propagande. N'est-ce pas? Alors, Sarandraban accuse la démocratie depuis que Lansana Conté est arrivé, alors qui a ouvert la Guinée à ce libéralisme politique et économique. Et depuis, voilà, nous ne sommes pas unis. Mais c'est normal qu'on ne peut pas être. Il va y avoir effectivement des problèmes communautaires, c'est normal, parce qu'on ne n'exécute pas les principes de la démocratie comme il le faut, mais c'est vrai. N'est-ce pas? Lansana Conté, c'est bien, il a ouvert la Guinée à la démocratie, d'accord, mais lui aussi, l'égoïsme est dedans, parce qu'il veut satisfaire ses besoins, ses désirs personnels. Bon voilà, il a utilisé la démocratie, apparemment, vous voyez, et puis pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Alors, comment voulez-vous que, en fait, qu'il n'y ait pas, en fait, des tensions communautaires? Oui, parce qu'on ne l'applique pas comme il le faut, Sarandaba. N'est-ce pas? Non, ça n'a jamais été appliqué comme il le faut. Et Alpha Condé est venu. C'est normal qu'il y ait des tensions communautaires parce que c'est pas appliquer la démocratie comme il le faut. N'est-ce pas? Mais c'est clair. Et aujourd'hui, Mamadou Doumbouya a dit, bon, écoutez, on veut le retour à cette doctrine sécuritariste. C'est vrai, mais c'est quand même incroyable à faire pleurer. C'est pas vrai. La démocratie, c'est la meilleure forme, je dis bien, pour pouvoir diriger, organiser une société multiculturelle. Une société très polarisé ethniquement. Seule la démocratie. Seule la démocratie, je vous le dis. Regardez les grands pays. Prenez les grands pays. J'ai pris l'exemple en Guinée, mais plutôt au Nigeria. N'est-ce pas? Multiculturel, polarisé ethniquement. Je dis même sauvagement polarisé. Mais écoutez, la démocratie est arrivée à sauver, en fait, la société nigériane. Mais c'est vrai, parce que dans la démocratie, on dit, écoutez, il faut s'asseoir autour de la table, il faut négocier, il faut parler, il faut considérer toutes les parties, mais c'est cela. Et quand vous êtes considéré, hein, vous êtes considéré au même niveau, vous qui êtes minoritaire, mais vous êtes considéré au même niveau que celui qui a la majorité, ou l'ethnie majoritaire, mais écoutez, mais ça va, vous êtes satisfait. Il n'y a plus de confusion. Et les accords sont là. Et seule la démocratie peut le faire. Hein, prenez les d'autres pays, plein, partout. Aux États-Unis, c'est des grands pays multiculturels. Vous prenez le Brésil. Le Brésil, c'est un pays multiculturel, polarisé. Mais la démocratie seule est arrivée à unir les Brésiliens autour d'un fondement principal, c'est-à-dire la loi. N'est-ce pas? En Guinée, c'est cela. Et pourtant, la Guinée, d'ailleurs, c'est plus simple. C'est tellement simple parce qu'en Guinée, alors quand je parle de la polarisation ethnique, vous voyez, ces tensions du moment, je dirais, c'est nouveau de pouvoir qui vous voyez, qui crée ce conflit politique ethnique, hein, vous voyez, qui utilise les ethnies. Sinon, dans la réalité, entre Malinké, Soussou, Peul, Guerzé, quoi, mais nous causons, nous communiquons, n'est-ce pas? Il n'y a aucun problème, nous nous marions entre nous, mais c'est vrai, nous sommes côte à côte, mais c'est quand même incroyable. Parlant des religions, mais écoutez, entre chrétiens et musulmans, en Guinée, c'est une exception, il n'y a aucun problème. Moi, quand je dis aux gens ici, certains me demandent, Nabi, vous êtes musulman, oui, et chez vous, il y a des chrétiens, je dis oui, mais je vous dis, il y a chrétiens et musulmans, mais je dis, nous, on n'a pas ce problème-là de conflit, entre disons, interreligieux. Non, il n'y en a pas. Donc la Guinée, c'est encore plus facile à gérer, s'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, la démocratie, la seule forme de gouvernance capable de gérer donc la société guinéenne multi, en fait, je dirais, culturelle. Seule. Et là, je l'ai dit dans les détails, je ne vais pas répéter toujours. Alors, tous autour de la table, n'est-ce pas? Tous autour de la table. Alors, et là, quand je dis autour de la table, c'est avec la sincérité. Avec la sincérité. Objectivement, cher compatriote guinéen. N'est-ce pas? Très bien. Pour terminer, je dis bien, en ce concept de mobilisation, ce combat que nous menons contre Mamadou Doumbouya, il n'y a pas de pitié. J'ai tous vu, il n'y a pas de pitié. J'ai choisi des réactions de terreur, comme Mamadou Doumbouya a choisi des réactions de terreur, c'est-à-dire l'argumentation de la force. Nous aussi, nous agissons ainsi. Les militaires, les forces patronales de l'armée, vous qui m'écoutez, vous qui êtes prêts à
En fait, enlever le Mamadou Doumbouya, alors vous l'avez compris, ce qu'il faut faire, chers compatriotes, nous les civils, aussi sans pitié, tous les escrocs, tous les, comment on appelle ça, des traîtres, n'est-ce pas, ils sont nombreux des traîtres, dont Ousmane Gawad Diallo, Baouri, sans pitié, nous savons là où ils logent dans les quartiers, nous les suivons, nous, en fait, cherchons à les contredire physiquement, chers compatriotes. Et pas seulement en Guinée, tous, ils ont tous des familles, donc à l'extérieur, en Europe, en Amérique ou partout. Nous cherchons où se trouvent les parents, parce qu'ils volent l'argent des Guinéens, de tout le monde, ils envoient les familles ailleurs, n'est-ce pas? Alors nous essayons de cibler toutes ces familles. Nous agissons comme il le faut, chers compatriotes guinéens, pour sauver notre processus démocratique. C'était Nabil Ali Camara, depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute et bonne soirée.